Aujourd'hui, on part sur le mitharien et vous allez voir aussi indo-européen, c'est en fait le même. La semaine dernière, nous avons étudié la conception identitaire française construite par l'extrême droite à sa naissance, à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, nous allons étudier, sur un petit moment, donc on ne racontera pas tout, la mythologie identitaire allemande, celle qui a mené au nazisme, qui a constitué le fondement imaginaire du nazisme. Le nazisme, comme tout courant qui est parvenu à mobiliser des masses, des populations entières, a été capable de proposer des objectifs, un imaginaire, des rêves qui ont effectivement pu mobiliser des milliers, des millions de gens. Et cette mythologie qu'ils ont mobilisée, c'est en grande partie la mythologie aryenne dont nous allons parler. Or, cette mythologie, ils ne l'ont pas inventée. Elle était déjà là au moment où ils ont pris le pouvoir. Et c'est une des choses sur lesquelles j'essaierai d'insister le plus souvent possible. C'est que le fascisme, le nazisme, etc., ce n'est pas quelque chose de monstrueux qui est apparu tout d'un coup. C'est quelque chose qui s'est construit dans des endroits, avec des discours qui semblaient être ordinaires, qui ont été banalisés et qui n'étaient pas du tout perçus comme des discours d'extrême droite. Mais dans le cas des Aryens, c'est ce qui s'est passé. En fait, bien avant que le nazisme existe, il y avait déjà une mythologie aryenne dont ils se sont emparés, qu'ils ont radicalisé par certains aspects, mais enfin, il y avait déjà presque tout. Pour vous en parler et pour vous donner des références, j'ai bien sûr utilisé le livre fameux de Léon Poliakov qui s'appelle « Le mitharien ». C'est lui qui a fait connaître cette problématique avec justement le genre d'idée que je viens de développer, c'est-à-dire l'idée que pour que le nazisme ne se reproduise plus, il ne suffit pas de critiquer ce qu'ont été exactement les nazis, mais il faut essayer de comprendre quelles sont les causes, quelle est la culture qui a conduit jusqu'à eux. Et il est parti dans toute une recherche sur ce qu'il appelle donc le mitharien. Ce qu'il y a, c'est que c'est un livre de 1971, donc il y a un certain nombre de faits qui sont remis en cause par ceux qui sont venus après lui. Mais ça reste un livre passionnant. Deuxième élément, cette histoire du mitharien nazi n'a pas été qu'une histoire allemande. Elle a été essentiellement une histoire allemande. Mais sous l'occupation, elle a trouvé des complicités en France. Et des complicités, on verra, qui ont leur importance parce que l'archéologie, la conception de l'indo-européen qui a continué d'exister après l'occupation, est issue en partie de cette conception allemande et de leurs collaborateurs français de l'époque. Pour ça, il y a un très bon livre de quelqu'un qui s'appelle Laurent Olivier, qui s'appelle « Nos ancêtres, les Germains, les archéologues au service du nazisme ». Bon, c'est une histoire de l'archéologie française sous le nazisme, mais c'est une histoire qui va en profondeur, qui est très, très documentée.
et qui est facile à lire. Enfin, le mitharien, non seulement il a une histoire qu'il faut raconter, mais il se continue. C'est quelque chose qui continue après-guerre. Et il y a quelqu'un qui montre ça, qui en explique les conséquences, après avoir étudié toute l'histoire, repris toute l'histoire du mitharien indo-européen. C'est Jean-Paul Demoule. Personne ne connaît Jean-Paul Demoule. Vous connaissez tous Bernard-Henri Lévy, personne ne connaît Jean-Paul Demoule. Il faut se suicider immédiatement. C'est... Jean-Paul Demoule, c'est un des plus grands penseurs de l'anthropologie, de l'ethnologie, etc. en France. Et ça, c'est un de ses livres majeurs, qui est un bijou, c'est-à-dire pour les gens qui sont, même pour des gens qui sont spécialisés, ils apprennent des tas de choses. Donc, Jean-Paul Demoule, D-E-M-O-U-L-E, mais où sont passés les Indo-Européens, le mythe d'origine de l'Occident. Voilà, c'est un gros livre, touffu. Je vais essayer de vous en expliquer les éléments essentiels. Mais plutôt que de lire des tas de petits livres sans intérêt, prenez une fois Jean-Paul Demoule et vous le lisez tranquillement. Vous verrez qu'on apprend énormément de choses et ça rend intelligent. Non, mais j'ai pas dit que c'était des gens pas intelligents qui le lisaient. Dans cette histoire du mitharien ou indo-européen, tout tourne autour de la question des origines. Origine de l'humanité, origine des Européens, origine des Allemands. Et de l'investissement passionnel dont elle est l'objet, dont elle a été l'objet au cours des siècles. Et pour essayer de vous raconter les choses de façon les plus claires possible, je vous le raconte en quatre étapes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé à ce fameux mythe? Dans les temps anciens, la France catholique du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, comment on pouvait imaginer l'origine de l'humanité? Et l'origine du christianisme, les peuples qui sont à l'origine du christianisme, en se référant à la Bible, bien sûr. Et la Bible, elle donnait une place centrale aux Juifs, en disant, voilà notre origine, elle vient de là. L'hébreu a été certainement la première langue sacrée. C'est certainement là-bas, c'est là-bas qu'est né le Christ, etc., etc. Seulement, dès cette époque, on se rend compte que ça pose problème à un certain nombre de gens, de penseurs, de moines, parce que, par ailleurs, les Juifs était une minorité déconsidérée. C'était des gens qui n'étaient pas des vrais chrétiens et du coup suspects. Et puis vous savez qu'il y a eu l'Inquisition, il y a eu les Juifs étaient mal vus. Or notre origine, c'était eux. Et alors très vite, il y a eu des gens qui ont cherché une autre origine, en disant quelque part, c'est pas vraiment possible, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Deuxième étape,
à une époque où on découvre la parenté des langues indo-européennes et où aussi beaucoup de récits exotiques de peuples lointains mais apparaissant comme ayant une spiritualité très grande, etc. Où il y a une mode même, un certain nombre de gens se disent, mais comment ça se fait que toutes ces langues sont apparentées? Comment ça se fait que les hindous, les français, les allemands, etc., ils aient des langues où il y ait tellement, en fait il n'y en a pas tellement que ça, de racines communes. Et un certain nombre de gens vont dire, mais c'est parce qu'il y a eu un peuple originel qui a parlé une langue dont nous sommes issus, c'est-à-dire que nos langues proviennent de cette langue originelle à partir de toute une évolution, mais qui est partie de là. Et cette langue, elle était hindoue avant que d'être française, allemande, etc. Donc, premier dépaysement, ce ne sont pas les Hébreux, ce sont les Hindous qui sont quelque part le peuple originel, qui ont la langue originelle, et c'est là-bas qu'il y a le pays originel. Alors, chez les Allemands, vous savez, c'est la racine Ur, donc c'est Urvolk, Ur, etc. Troisième étape, l'archéologie. Hein, jusqu'ici, ce dont je viens de parler, c'était plutôt la linguistique de l'époque. L'archéologie, elle, va révéler, au XIXe siècle, l'existence de styles d'objets apparentés, ayant un peu les mêmes caractères, très anciens. Et elle les trouve en particulier dans le nord de l'Allemagne, dans la Scandinavie, dans l'Ukraine actuelle, etc. D'où il va y avoir un troisième saut. Là, je vais vite, hein, je ne raconte pas comment ça s'est passé. Un troisième saut qui va dire, mais on s'est trompé, c'est pas le peuple originel, la langue originelle, ce n'était pas très très loin, en Orient, etc. C'est nous, et c'était chez nous. C'est-à-dire la Scandinavie, l'Allemagne du Nord, où on trouve ces fameux objets apparentés, etc. Ça montrerait qu'il y avait bien un peuple qui ressemblait aux Germains actuels et qui était déjà là il y a très 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 longtemps. Et donc, au lieu d'aller chercher chez les Hébreux, chez les Hindous, en fait, il suffit de chercher près de chez nous. Et ce que montrent ces objets qu'on a trouvés, c'est ça donne l'idée d'un peuple guerrier, conquérant, aristocratique. Ben, c'est nous, ça. Hein? C'est, là, il y a l'image de gens qui se projettent, c'est très net chez un certain nombre de gens du XIXe siècle, qui se projettent dans cet imaginaire. Finalement, pour l'expliquer, regardez, quand on parle du Moyen-Âge, hein, les conteurs qui parlent du Moyen-Âge, les enfants qui parlent du Moyen-Âge, disent, il y avait une princesse, un roi, etc. Quand on fait les gâteaux des rois, ce n'est pas la part du manant qu'on va chercher. Hein. Les princesses, les rois, etc., il n'y en avait quasiment pas, c'était quelques personnes. Mais on se projette dans cet imaginaire-là. Dans tous les contes, c'est
Et on y a du plaisir. C'est-à-dire qu'on imagine quelque chose qui est merveilleux, qui nous fait rêver. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a, en particulier les Allemands, je vous rappelle, qui ne sont réunifiés qu'en 1870, qui ont été humiliés par Napoléon, hein, qui certes est censé avoir introduit des institutions qui étaient modernes chez eux, mais quand même pour beaucoup d'Allemands, c'est la honte d'avoir été comme ça sous la domination d'une espèce de tyran. Et donc, il y a un désir de reconstituer une Allemagne forte qui se laissera plus faire. Et ce mythe du peuple aristocratique, conquérant, etc., qui aurait été le peuple allemand, non, qui était les Germains depuis les origines, ça a une diffusion qui montre que ça donne du plaisir, du prestige, ça fait rêver. Hein. Et donc le peuple originel, ça serait un peuple déjà germain, et les Allemands vont se mettre à appeler ce que nous appelons indo-européens, ils vont l'appeler indo-germain. Et du coup, ils vont nommer la culture, les institutions, etc., indo-européennes, indo-germaines. Et alors, les hindous, comment ça se fait qu'ils ont un certain nombre de racines, de mots qui sont communes avec celles des Allemands, des Français, etc. Eh bien, puisque c'était des peuples conquérants, c'est des peuples qui ont conquis, qui ont migré, et qui ont imposé leur culture à des populations qui étaient inférieures, certes, mais qui ont été subjuguées par cette culture, donc indo-germaine, et qu'on va se mettre à appeler de plus en plus aryenne. Mais c'est la même chose. Ils ont été civilisés par les Germains, et quand on a travaillé sur le vocabulaire de la mission civilisatrice des colons français, en fait, souvent, on a un vocabulaire qui est très proche. Et on trouve non seulement des mots, mais aussi des symboles culturels qui montre qu'il y a bien eu ce passage dans la fameuse croix gammée. La croix gammée, symbole solaire chez les hindous, et en même temps, on la trouve, disent les archéologues, dans les tombes des anciens germains, etc. Donc les anciens germains, ils sont allés en Inde et ils ont civilisé les hindous et ils ont laissé un certain nombre de mots et de signes, de marques de leur civilisation. Il y a donc un peuple originel, une langue originelle, une patrie originelle et deux principes d'explication. Un, c'est l'arbre, le fait qu'il y a des racines à un endroit et puis petit à petit il y a une arborescence qui fait que de cet arbre vont naître des tas de langues, de cultures qui sont toujours apparentées à la culture, au peuple originel, mais évidemment qui ont subi un certain nombre de modifications, mais qui en ont gardé les traits essentiels, qui en ont gardé l'essence. Hein.
Le deuxième principe, c'est que dans cet imaginaire, l'influence est unilatérale. C'est-à-dire que les Germains ont civilisé d'autres peuples, mais les autres peuples n'ont pas influencé, en tout cas de façon importante, les Germains. Il y a une idée d'unilatéralité et qui permet d'expliquer qu'ils sont restés les mêmes. Eux, ils n'ont pas du tout été transformés. Alors, je vous lis ce que ça donne à la fin du XIXe siècle, avec un pan-germaniste qui s'appelle von alors en allemand ça ferait Volzogem, qui est apparenté au cercle de Bayreuth, avec, il n'était pas le seul pan-germaniste qui était là-bas. Voilà ce qu'il dit. Il évoque l'épopée germano-arienne. Tels les enfants des dieux, ces tribus germaniques surgirent au milieu de la civilisation simético-romaine et mirent à son service la force pure de leur sang. Dès qu'ils entrèrent dans l'histoire, avec la franchise de leurs yeux bleus, leur fière stature de héros, leurs simples coutumes patriarcales, leurs libres associations communautaires, leur loyale confédération guerrière, leur représentation des dieux et leur tradition héroïque simple et droite, sans aucun doute, se révélèrent-ils du premier instant comme la manifestation authentique, sans trouble ni mélange, de l'antique souche la plus noble de la race blanche, telle est l'Arien. Voilà, des textes comme ça, il y en a à l'appel. Vous voyez, d'abord, l'imaginaire. Vous voyez qu'il n'en parle pas comme on parle d'une expérience sur les mouches. C'est vraiment quelque chose où il y a un investissement passionné. Cet investissement passionné, on est, rappelez-vous, au XIXe siècle, vraiment dans un siècle où les nationalismes sont exacerbés, hein, où il y a des... Et dans le fond, c'est l'imaginaire d'une race qui triomphera toujours, hein, de gens supérieurs qui vont toujours finir par dominer parce qu'eux-mêmes ont quelque chose de supérieur, une valeur particulière. Vous avez remarqué que c'est non seulement une exaltation de soi individuelle, mais c'est une exaltation du soi collectif. C'est les Germains. Les Germains, tous les Germains qui existent à ce moment-là, mais aussi tous les Germains qui ont été dans l'histoire. Oui, et du coup, qui est censé remonter du fond des âges. Quatrième étape. Alors, en gros, chronologiquement, ça correspond assez à mes étapes. Ceci dit, évidemment, il y a des chevauchements. Quatrième étape, c'est le racisme. En fait, les archéologues, ce qu'ils ont trouvé, c'était pas aussi joli que ce que disent nos citations, parce que c'est plein de trous. C'est-à-dire qu'on voit quelques éléments à un moment donné, puis après, pendant plusieurs centaines d'années, on ne sait pas où ça va. Après, on trouve d'autres éléments à un autre endroit, etc. Ce n'est pas du tout qu'on verrait comme ça progressivement les Germains devenir les Allemands d'aujourd'hui. Mais heureusement, pour cette conception du monde, il y a au début, parallèlement
à ces conceptions-là, il y a la naissance du racisme et du racisme de plus en plus biologique. Là, il faut... en vérité, ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, le racisme biologique, ça, c'est plutôt du côté de la France que du côté de l'Allemagne. Et puis, ça va se renverser à la fin du siècle, où c'est les Allemands qui vont défendre un racisme biologique, et les Français, au contraire, un racisme, j'en ai parlé la dernière fois, de plus en plus culturel. Culturel, entre guillemets, parce qu'une culture qui dure toujours, c'est pas une culture. Et il y aura des sciences, c'est perçu comme des sciences raciales, qui vont essayer d'expliquer à peu près tous les phénomènes sociaux par un déterminisme biologique. Pas seulement les phénomènes raciaux proprement dit, mais finalement tout ce qui se passe. Pourquoi un racisme biologique en Allemagne plutôt qu'en France ? Notre thème de ce soir en indique une des origines, c'est que les Allemands, à partir du XIXe siècle, revendiquent des territoires, des populations qui ne sont pas allemandes et qui, en grande partie, ont perdu la culture allemande, même quand c'est des gens qui ont immigré au bout de 2-3 générations, ils ne parlent plus trop allemand, ils ont oublié leurs coutumes allemandes, etc. Mais les pan-germanistes les revendiquent. Et il y a un investissement extrême sur les Allemands de l'étranger. Il y a des sommes extraordinaires qui sont dépensées pour leur redonner le sens des coutumes germaniques. Il y a des voyages qui sont organisés. Il y a ce slogan que les nazis vont reprendre, des 100 millions d'Allemands qui représentent une force colossale. 100 millions d'Allemands, évidemment, les Allemands n'étaient pas 100 millions. Mais ils comptaient, vous savez, il n'y avait pas que les Sudètes, hein, ils comptaient dans des tas de territoires des gens dont ils disaient qu'ils étaient des Germains et donc ils devaient revenir à l'Allemagne. Sur quel... qu'est-ce qui les unissait à ces Allemands ? Pas la culture, pas le langage, il ne restait plus que la race. Ce qui permettait de dire qu'ils sont des Allemands comme nous, c'était la race. Alors, autant les Français, avec justement ces revendications allemandes sur l'Alsace et la Lorraine, etc., disant que c'est finalement des pays germains, les Français, et Ronan lui-même, ils vont dire, mais non, c'est ce qui fait, ce qui permet de dire qu'une région est française ou allemande, c'est quand même d'abord ce que les habitants ressentent. Est-ce qu'ils veulent être allemands ? Est-ce qu'ils veulent être... Tandis que les Allemands, leurs revendications territoriales, mais pendant un siècle, hein, ça va durer tout le 19e siècle, leurs revendications aussi en termes de population, les gens qui vont considérer comme allemands, le seul argument qu'ils ont, c'est celui de la race biologique. Ils sont nés allemands il y a quelques siècles, etc. Et deuxième chose, à partir du moment où l'antisémitisme devient de plus en plus important, on trouve en Allemagne des gens qui, eux, ont une culture allemande affirmée, qui parlent parfaitement l'allemand, etc., et dont on ne veut pas. Vous voyez ? Donc, tout pousse ces Allemands à utiliser l'argument biologique
et non pas, comme les Français, l'argument culturel. Voilà, j'en dis pas plus, mais si ça vous intéresse, ça c'est vraiment un domaine sur lequel j'ai travaillé. Il y a vraiment une distinction qui se fait à partir de, finalement, des meilleurs arguments nationalistes que les uns et les autres pouvaient trouver. Ces sciences raciales, elles vont permettre de rétablir la continuité. Je vous ai dit, il y a des trous dans l'histoire telle que l'archéologie la décrit, la dessine, et ces trous, ils sont comblés par le fait qu'on dit, on ne sait pas ce qui s'est passé véritablement pendant ces siècles-là, mais on retrouve les Germains, ils y étaient au départ, puis ils se sont retrouvés à tel moment, à tel endroit, puis ils se sont retrouvés à tel moment, à tel endroit, et puis il y a nos Germains actuels. Et donc, il y a une continuité. La deuxième chose, c'est que, comme je vous l'ai dit pour la conception identitaire française la semaine dernière, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'individu. C'est-à-dire que la conception qu'on se fait des groupes humains, c'est une conception dans laquelle les individus obéissent à une fatalité ethnique. Quand on est allemand, on ne peut pas être autre chose. Quand on est juif, on ne peut pas être autre chose. L'individu, il ne peut pas échapper à sa détermination ethnique, à la détermination de ses origines. Et donc, pas d'individu, au sens de l'individu qui peut être singulier, et pas d'humanité, au sens où aussi on dit que les races sont tellement différentes et opposées entre elles que c'est absurde de vouloir les réunir dans une humanité quelconque. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur universelle. Rappelez-vous, pendant l'affaire Dreyfus, les Barrès qui disaient que la justice des Juifs, ce n'est pas la même chose que ma justice à moi. Ça n'a rien à voir. Donc, il n'y a pas de valeur universelle. Voilà. Au bout de ces quatre étapes, et on y arrive à la fin du 19e siècle, on va avoir toute une anthropologie allemande qui est évidemment pas... qui est dominante, mais qui n'est pas la seule. Il y a aussi des gens qui vont la critiquer, qui va reprendre un peu tout ce que je viens de vous raconter. L'idée du peuple d'origine, la supériorité allemande qui a permis de civiliser les autres peuples, l'identité immuable des peuples races. Les Juifs ont toujours été pareils, les Germains ont toujours été pareils, la fatalité ethnique, etc. Jean-Paul de Moule, il fait un peu la synthèse avec peut-être le principal de ces anthropologues, on va dire, allemands de la fin du 19e, début du 20e siècle, avec Gustav Kassina, K-A-2-S-I-2-N-A, qui a écrit en 1911 un livre qui s'appelle « La préhistoire allemande, une science quelque chose du point de vue national. Attendez, on ne va pas se laisser Kassina. La préhistoire allemande, une science au plus haut point national. Voilà, au plus haut point national. Donc vous voyez, c'est une science,
Mais en fait, il insiste sur les bénéfices pour des nationalistes de l'utilisation de cette science. Chez Cassina, on retrouve tout ce qu'on a dit, les vestiges découvertes notamment en Scandinavie et dans le nord de l'Allemagne, leur aspect aristocratique, leur style guerrier, démontrerait l'existence depuis le fond des âges d'un peuple nordique, les fameux indo-germains, particulièrement valeureux, fondateurs de grandes civilisations, etc. Ce peuple est resté lui-même avec les mêmes traits distinctifs depuis l'origine. Il a diffusé sa culture à la façon d'un arbre dont même les traits les plus éloignés, c'est-à-dire les branches les plus éloignées, conservent l'identité de l'arbre lui-même. L'injonction de garder sa race pure, parce que sinon on perd toute la valeur du fait d'appartenir aux Germains. Et déjà un petit peu l'idée de guerre des races, c'est-à-dire le fait que, un, il y a deux idées ici, c'est un, que la domination est légitime, dans le fond les Germains ils sont faits pour ça, ils sont faits pour faire avancer la civilisation en dominant d'autres peuples, et le fait que leurs ennemis vont essayer de les abâtardir en les incitant à se mélanger physiquement avec d'autres races et à se mélanger culturellement avec d'autres systèmes de pensée. Voilà, tout ça, on le retrouve chez Cassina. Cassina, il meurt en 1931, donc 2 ans avant l'accession des nazis au pouvoir. Il a écrit l'essentiel de ses livres déjà des années avant. Et c'est cet ensemble, cette mythologie que les nazis vont reprendre à leur compte. Oui, elle existe déjà avant que le nazisme existe. Alors, pour ça, je vous ai amené Rosenberg, que j'imagine vous ne lisez pas tous les matins. C'est un des principaux théoriciens nazis. Même Hitler était un peu jaloux, il disait... Il plaisantait un peu en disant c'est un peu compliqué, c'est pas pour les masses. Mais en fait... Quelque part, c'est beaucoup plus sophistiqué et érudit que Mein Kampf. Hein. Donc, c'est une base pour comprendre ce qu'était l'idéologie nazie et sa mythologie. Rosenberg a été le directeur du journal nazi. Non, je ne sais pas de le dire en allemand, ça serait... S'il y a un Allemand dans la salle, il verrait tout de suite que c'est du faux allemand. Et donc, c'est quelqu'un qui a répandu toute cette mythologie de façon quotidienne pendant des années. Et ça, c'est son grand livre, Le mythe du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il dit, Rosenberg ? Il dit que maintenant, l'archéologie, l'histoire, la genèse historique des races, c'est des sciences
qui nous apprennent avec certitude que l'histoire du monde s'est écrite en particulier par le développement d'une race. Alors lui, il insiste beaucoup sur de gens qui ont les cheveux blonds et les yeux bleus, et qui a subjugué les autres peuples en leur apportant finalement la civilisation. À chaque fois qu'il y a eu une grande civilisation, ils cherchent une trace comme quoi il y avait des blancs, etc., qui en étaient responsables. Bien évidemment, ce n'est pas les hindous qu'ils méprisent, qui en plus souvent une couleur de peau foncée, etc., qui ont produit la grande civilisation hindoue. Ce sont des Aryens qui sont venus en Inde et qui l'ont produite. Pareil pour la Perse, pour la Grèce, toutes les grandes civilisations. Ça vient du fait qu'il y avait des Aryens, grands blonds aux yeux bleus, qui sont venus et qui l'ont produite. Et l'histoire telle qu'il la raconte, c'est une histoire comme ça d'apogée de civilisation et de leur déclin. Et leur déclin, il vient de quoi ? Il vient du fait que si pendant longtemps les Aryens, par le régime de caste, se protégeaient du ce que Rosenberg appelle le sang des peuples inférieurs, eh bien, à un moment, cette barrière cède et les Aryens sont contaminés et la civilisation plonge. C'est la religion du sang, comme il dit. Et tout vient de l'origine. L'Europe nordique n'échappera pas non plus à la décadence si elle ne rebrousse pas chemin et ne se détourne pas des conceptions vides, des idées absolument exsangues, et ne recommence confiante à écouter couler la source jaillissante de sa propre sève originelle et de ses valeurs. Voilà. Il y a eu quelque chose au début, et ce quelque chose qu'il y avait au début, il faut le conserver. Et ce quelque chose, c'était la race nordique et toutes les qualités qui y sont afférentes. Et le moindre mélange risque de le mettre en cause. Et évidemment, ça va consister à dire qu'en Allemagne, il faut absolument épurer la race et éliminer. Alors, c'est pas encore ce qu'on met sous le mot éliminer, les races inférieures et spécialement les juifs qui se mélangent aux purs germains, etc. Je montre comment ça se passe pour l'Inde. Quand la première grande vague de sang nordique déferla sur le massif montagneux indien, elle avait déjà rencontré beaucoup de races étranges et hostiles. Le système des castes fut la conséquence de cette réserve instinctive. Varna, Varna c'est comme Brahman, signifie caste, mais aussi couleur. Les Aryens à la peau claire, tenant donc compte de ce qu'ils voyaient et constataient, creusèrent un fossé entre eux, race conquérante, et les hommes à peau sombre de l'Hindoustan. À la suite de cette séparation entre deux sangs antinomiques, les Aryens élaborèrent une conception du monde qui, même après de longs conflits avec les conceptions pullulantes de ces sous-races autochtones, ne peut être dépassée par aucune philosophie tant elle est vaste et profonde. Et je vous lis après, quand ça tourne, ça va mal. Dès lors, l'Inde cesse d'être créatrice. On s'imagine que le sombre sang étranger des Kudras, qui sont les hindous qui sont pas les brahmanes, qui envahit maintenant le pays, a la même valeur que celui de l'Atman.
Mais en réalité, il est anéanti la notion primitive de caste égale à la race. Et là-bas, l'abâtardissement commence. Cette conception comme ça de l'épanouissement de la civilisation et le déclin, la décadence, vous le retrouvez dans tous les textes nazis. D'ailleurs, il y a cette peur d'être de nouveau dans un moment où ça sera la décadence et l'idée qu'il faut tout faire pour y échapper. Et le mythe arien n'est jamais très loin. Sinon, eh bien, chez Rosenberg, chez les nazis, on va retrouver les trois volets dont j'ai parlé la dernière fois de la conception identitaire. C'est-à-dire, d'abord, l'idée de communauté homogène grâce à la fatalité ethnique. Hein, il n'y a pas d'individu ni d'humanité. Je vous le dis. J'ai ce livre grâce aux fachos français, c'est-à-dire qu'il a toujours des admirateurs qui ont réédité son livre. L'humanité, alors il met entre guillemets, l'Église universelle, il met entre guillemets, le moi individualiste et séparé du sang, n'ont plus l'attrait de valeur suprême. Mais il ressemble maintenant partout à des élucubrations délirantes. Oui. Ni individu, ni humanité. Ça, c'est répété tout au long du livre. Donc, les communautés, l'histoire, elle est faite de communautés qui sont homogènes, où les gens sont déterminés par leur origine et en plus, ces communautés, elles ont une identité immuable qui vient de l'origine, du fond des âges, etc. Et puis, troisième volet, c'est la guerre des races, c'est-à-dire le fait que, comme c'est un antagonisme qui n'est pas un antagonisme sur une politique, sur quelque chose qui est volontaire, mais qui est un antagonisme, tout à l'heure dans la citation que j'ai lue, ça, on l'entendait, qui est un antagonisme de race, il est absolument impossible d'empêcher la guerre, il est absolument impossible qu'il y ait une tolérance, et il ne peut y avoir que l'anéantissement d'une race par une autre, ou au moins son rejet très loin, etc. L'imaginaire, c'est l'imaginaire nationaliste de l'époque, réactivé par le darwinisme, hein, pas le darwinisme de Darwin dans la destination de l'homme, hein, vous savez que Darwin n'était pas le... ne pensait pas que la sélection naturelle, ça marche chez les hommes comme chez les animaux et les plantes, mais darwinisme au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'il y a une guerre et il faut que le plus fort l'emporte, c'est grâce à ça que l'espèce va avancer dans la perception des nazis, pas celle de Darwin. Et la guerre est inévitable. Voilà, on a nos trois volets. Vous voyez, ces trois volets, ils existaient dans la conception française culturelle et ils existent dans la conception allemande biologique. Ça, c'est le point commun de toutes les extrêmes droites, de tous les fascismes. Je ne connais aucune exception. Bon, vous savez ce que ça va donner au cours de la guerre et de l'occupation. Au cours de la guerre, c'est cette mythologie qui sera utilisée non seulement pour envoyer des gens combattre les Slaves inférieurs, hein, en expliquant qu'ils ne savent pas se battre, ces gens-là, donc la guerre sera courte,
elle est là aussi dans les textes, dans les discours qui sont prononcés, dans l'imaginaire qui est mobilisé, dans le génocide des Juifs et des Tziganes. Dans le cadre de l'occupation française, dès que les Allemands ont gagné, ils envoient des archéologues en France. Mais énormément d'archéologues. Pourquoi ? Parce que ces archéologues, ils vont avoir pour mission de démontrer que certaines régions, que certaines populations, en vérité, sont allemandes, en vérité, sont germaniques. Alors évidemment, l'Alsace et la Lorraine, mais ça va beaucoup plus loin. Ça, c'est aussi la Franche-Comté, c'est aussi la Bourgogne, c'est aussi le Nord-Pas-de-Calais. Hein? Dans le fond, il y a l'idée que tout ça, c'est allemand, et que il est, puisque c'est des Allemands, il est légitime de l'annexer. Et puis, il y a d'autres archéologues qui vont en Corse ou qui vont en Bretagne. Et là, il n'y a pas une revendication en disant que c'est des territoires allemands. Mais par contre, il y a la volonté de démontrer que l'identité de ces régions est opposée à l'identité française et l'idée de morceler la France. C'est écrit dans des rapports, c'est vraiment une stratégie systématique qui a été utilisée pendant l'occupation, qui a trouvé des complicités. Alors, elle a trouvé des complicités au niveau d'un certain nombre de mouvements régionalistes, par exemple bretons, qui se sont associés aux Allemands, de mouvements régionalistes alsaciens aussi, et même des bourguignons. Il y a un dénommé Thomassé, Johannes Thomassé, qui a écrit des choses... que je vous les lise, plutôt que... Non, c'est pas pour les... Voilà ce que disait Johannes Thomassé, considéré comme un anthropologue, mais aussi un auteur qui est lu à cette époque. Il disait, l'espoir, et donc c'est un bourguignon, l'espoir est à l'est, là sont les Germains, dernier secours, dernier soutien. Ils sont le rempart contre l'Asie. Sois donc, ô France, le rempart contre l'Amérique. À toi est le poste avancé dans la guerre prochaine. La Germanie peut défier l'univers. Unie à la France, elle pourrait davantage. Mais toi, qui fus longtemps le cœur du monde et qui t'arrêtes, France, France, écoute la raison, l'ordre, la force. Ton sang est à moitié germain. Les meilleurs de tes songes te viennent du Nord. Oublie tes chaînes latines et ta folle révolution. Vers les dieux du Nord, vers les hommes blonds, reviens. À ton berceau, tu retrouveras la force, tu apprendras l'ordre et nous te donnerons la raison. Voilà, des textes comme ça, eh bien, ils ont existé en France sous l'occupation. Et on va voir que la plupart des gens qui les ont prononcés ont continué leur carrière après l'occupation sans beaucoup de problèmes. Vichy a beaucoup utilisé, vous savez, la mythologie gauloise. Et qu'en plus, là aussi, je ne sais pas si vous avez vu déjà des affiches de propagande de Vichy, etc. Vous avez le Gaulois avec les cheveux blonds comme ça, grand, avec les yeux bleus. Et le maréchal avait la Francisque, et qu'il a après distribué la Francisque, c'était censé être l'arme des Gaulois. Et puis, il y avait le coq gaulois. En lisant Olivier, vous verrez que ça va plus loin, parce que en prenant l'exemple de Vercingétorix, par exemple, on va dire à Vichy, il a été sage finalement,
d'accepter la force des Romains et de se mettre sous leur subordination. Et grâce à ça, la France est devenue un grand pays, etc. Eh bien, maintenant, faisons pareil. La grande force, c'est les Allemands, et nous aussi. Eh bien, c'est des textes comme ça, il y en a un certain nombre qui défrisent. Hein. À la Libération, donc, la plupart des archéologues, anthropologues, linguistes allemands qui se sont énormément mouillés dans ces questions, qui des fois étaient aussi des officiers SS et certains ont participé au groupe de tuerie, à des très petites exceptions près, s'en sont tirés très bien aussi. Et ont continué leur carrière, même se sont fait payer les arriérés qu'ils n'avaient pas eu au moment de la libération, etc. Olivier ou Jean-Paul de Moule, il raconte ça, mais pas pour dire ces salauds, ils s'en sont bien tirés. Mais pour dire, ça a eu des conséquences sur l'archéologie, l'anthropologie, la vision des Indo-Européens qui a suivi. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas eu, après, à partir de la libération, il n'y a pas eu une remise en cause profonde de ce qu'avaient dit les... tous ces gens dont je vous ai parlé. On a dit qu'il y avait eu quelques dérapages, mais on n'a pas remis en cause le mode de pensée et les références qui étaient. Alors évidemment, il n'y avait plus un racisme biologique tel qu'il existait avant. On ne disait plus qu'il fallait... annexer telle et telle région. Mais par contre, l'imaginaire de l'indo-européen en Allemagne et en France n'a pas beaucoup changé après l'occupation. Voilà. Et c'est ça, là, un peu ce que Jean-Paul de Moule, ce sur quoi il insiste. Il y a quelque chose qui est resté. Bon, pas évidemment toute l'idéologie de l'époque, mais il y a quelque chose qui est resté, et Jean-Paul de Moule a essayé de le dire précisément. C'est quoi qui est resté? C'est ce qu'il appelle l'hypothèse indo-européenne, dont je vous lis quelques bouts. Alors, thèse 1 de cette hypothèse indo-européenne pour laquelle il n'y a pas eu de rupture, selon lui, après l'occupation. Les langues indo-européennes parlées il y a 3 millénaires dans la majeure partie de l'Eurasie occidentale et maintenant dans une grande partie du monde forment une famille de langues cohérentes comprenant 12 principales sous-familles et que les linguistes organisent en un arbre unique à partir d'une langue originelle commune reconstruite. Donc, il y avait bien une langue originelle et après un arbre qui conduit jusqu'au français, par exemple. Bon, ça, je passe. La reconstruction de la langue originelle et de l'arbre des langues indo-européennes s'appuie sur 2 siècles de recherche linguistique et sur les méthodes les plus modernes de la linguistique quantitative. Thèse 4. Cette langue originelle commune était parlée par un peuple originel. Thèse 5, ce peuple originel vivait dans un foyer originel, à savoir une région de l'Eurasie circonscrite et déterminée, localisée grâce à la paléontologie linguistique et à l'archéologie. Thèse 6, la paléontologie linguistique permet de reconstituer l'environnement naturel, l'économie et la culture du peuple originel à l'aide de mots communs, etc.
Thèse 7, la diffusion des langues indo-européennes s'est faite par voie de migration et de conquête à partir du foyer originel, par des peuples dont on peut suivre la trace archéologique et qui débouchent sur ce que nous décrivent les textes antiques et médiévaux. Thèse 9. La comparaison entre les différentes religions et mythologies des peuples indo-européens anciens permet de reconstituer leur mythologie originelle, tout comme les comparaisons entre les différents textes parvenus jusqu'à nous permet de reconstituer également leurs institutions ou encore leur poésie. Bon, j'arrête là. Ça, dit Jean-Paul de Moule, c'est pas avant la guerre, c'est la conception qui est dominante aujourd'hui. Et d'ailleurs, Jean-Paul de Moule avait écrit un petit article dans une revue d'histoire qui s'appelle L'Histoire, où il remettait en cause cette conception, à l'époque avec juste quelques arguments, qui avait, ça avait fait un choc. Et évidemment, les gens qui défendaient cette conception traditionnelle s'étaient sentis bousculés. Et ce petit article, c'est devenu ce grand livre de maintenant. Quelle heure il est ? Ça va. Donc dans toute la fin de son livre, de Moule met en cause, à partir d'exemples précis, etc., cette conception de la culture, l'histoire indo-européenne. Alors, il y a énormément de choses. Évidemment, je peux pas. Je peux juste prendre quelques exemples. Et je vous renvoie à ce qu'il y en a plein. Il y a vraiment énormément d'exemples. Deux mots sur la critique de Georges Dumézil. Georges Dumézil, c'était un historien des religions, des mythes, qui était célèbre pour avoir trouvé une structure qu'on retrouve dans des sociétés très différentes et qui finalement donnait, légitimait l'idée de cette culture indo-européenne qui aurait traversé les siècles et des tas de peuples. C'est la structure très fonctionnelle, vous savez, on retrouve chez les Romains, chez les Hindous, etc. Une représentation de la société fondée sur la relation entre le prêtre, le guerrier, et le troisième, il est beaucoup plus compliqué. Soit le producteur, soit le paysan, soit le citoyen. Mais enfin, voilà, trois éléments. Et Georges Dumézil, qui est un grand érudit, il montre qu'on le trouve dans des populations, des civilisations très différentes. Et effectivement, ça a l'air de montrer que la culture indo-européenne, on en trouve des exemples en étudiant les mythologies, pas seulement les langues. Alors, vous verrez dans le livre, de Moule en fait la critique. Alors, il se sert de critiques qui ont été faites avant lui. Il dit, il y a un problème, c'est que cette trifonctionnalité se retrouve chez des peuples qui ne sont pas indo-européens. Par exemple, les Japonais. Les Japonais, ils ne sont pas indo-européens du tout. Et on retrouve la trifonctionnalité chez eux. Et par contre, elle ne se retrouve pas chez un certain nombre de populations, elles, indo-européennes, de façon très claire, comme les Grecs. Et donc,
c'est un schéma qui est trop, qui veut trop montrer. Il dit pas qu'il n'y a pas de points communs entre, mais que l'explication à partir desquelles on essaye de le comprendre est une explication qui bute sur constamment des contre-exemples, des choses qui ne marchent pas. Et il propose à la place du schéma indo-européen tel que je l'expliquais, c'est-à-dire une évolution à partir d'un peuple d'origine, etc., un schéma beaucoup plus souple, dont il dit que lui, il correspond beaucoup mieux aux faits qu'on peut observer, qui sont des réseaux d'échanges très larges. En disant, oui, il y avait des... Par exemple, on retrouve certains motifs aristocratiques, guerriers, etc., dans des sociétés très différentes, mais la façon dont, suivant l'histoire, on les trouve dans une société ou on ne les trouve pas, etc., ça peut s'expliquer par la façon dont se diffusent des idées, de la façon dont, dont les choses se rencontrent, beaucoup mieux que par cette image de... du peuple d'origine. Voilà, ça va être sa méthode. C'est-à-dire qu'il va dire, d'abord, cette conception, elle bute sur des tas d'obstacles, en fait, à partir de combien de choses qui ne marchent pas, on va considérer que la théorie est encore bonne. Mais deux, qu'elle est beaucoup plus facilement explicable par des choses qui ne sont pas une essence comme ça qui existe tout au long de l'histoire, mais par des échanges, des choses qui existent dans une société comme faits sociaux. Voilà, c'est ça un peu les cultures et les langues, dit-il, ne sont pas les expressions déterministes d'une essence, mais ils sont des faits sociaux. Des faits sociaux, la différence qu'il y a, c'est que ça dépend de nous. C'est suivant la politique qui est menée, suivant la conjoncture, suivant, eh bien, ça va être différent. Il n'y a pas quelque chose qui est prédéterminé. C'est-à-dire que ces cultures, ces langues sont refabriquées, refaçonnées par tout ce qui constitue les interventions, les interactions sociales des collectivités humaines, les influences réciproques, les métissages physiques ou culturels, les inventions institutionnelles ou culturelles, les dominations, les résistances à ces dominations, les reconfigurations imaginaires, etc. C'est-à-dire que il y a énormément de choses qui interviennent et qui modifient, qui expliquent pourquoi les cultures ont pris tel ou tel aspect. Un exemple. Vous savez, ces fameux guerriers dont on trouve des traces... De Moule, il dit c'est l'aveuglement indo-européen au sens traditionnel qui a fait qu'on n'a pas vu qu'en fait ces guerriers, ils apparaissent, et pas du tout que dans les sociétés indo-européennes, ils apparaissent avec le néolithique, c'est-à-dire à un moment où il y a une transformation profonde, où il y a énormément plus d'argent, ou de gens, pas d'argent, mais de gens, où il y a des villes qui commencent à
dans des villages qui commencent à se constituer, où il y a une agriculture qui fait que les gens sont... Voilà, à ce moment-là, il y a... Alors, il a écrit un livre depuis là-dessus, qui est passionnant aussi, qui montre qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose, effectivement, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup plus de traces de conquête, de domination, de construction d'armes, etc. Ce qui fait que, je ne sais pas si ceux qui étaient là quand est venu Alain Badiou, est-ce que vous vous rappelez qu'il a dit « il faut qu'on sorte du néolithique ». En fait, il a lu De Moule. Oui, il y a une explication, et oui, effectivement, on trouve ces symboles guerriers, etc. Mais si on veut bien ouvrir le questionnement et pas toujours rechercher l'essence, etc., mais on trouvera des explications qui sont des explications sociales, économiques, politiques, etc. De même, la question des langues. Alors, évidemment, la question des langues, elle est plus complexe parce qu'une langue, il y a une force d'inertie quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une langue qui existe déjà et on ne va pas la changer du jour au lendemain. Mais même dans ce cas-là, il se réfère à des études qui montrent que les ressemblances entre deux langues sont d'autant plus fortes qu'elles sont géographiquement proches. Voilà, c'est un dénommé Krober qui, après de longues études et comparaisons, etc., a arrivé à cette conclusion. Donc, les ressemblances entre deux langues sont d'autant plus fortes qu'elles sont géographiquement proches. Ça ne fait pas généalogie. Hein. Je ressemble peut-être à mon père, je ne ressemble pas spécialement à mon voisin. Hein. Le fait que les voisins soient ceux qui aient eu le plus d'influence sur ma langue, ça montre l'importance, même pour une langue qui pourtant est quelque chose de conservateur quelque part, même pour une langue, l'importance des échanges, des influences réciproques, des métissages, etc. Troisième exemple, la question des cultures. Alors, j'ai envie de vous le lire, c'est parce que c'est un truc compliqué. Il faudrait que vous ayez le texte de départ, et après j'explique. Alors, le modèle de l'identité traditionnelle indo-européenne suppose que les identités ethniques, et donc les cultures archéologiques, se perpétueraient inchangées ou presque à travers les siècles. On a un peuple avec une certaine culture, et puis on retrouve ce peuple avec ses traits partagés. Spécifique, et puis on retrouve ce peuple. Voilà. Or, l'archéologie montre tout le contraire. Pour les périodes qui nous intéressent ici, les cartes ne cessent d'être rebattues au bout de quelques siècles. Il y a la civilisation de la céramique linéaire entre 5500 et 4900 avant notre ère, qui s'étendait de la mer Noire à l'Atlantique et des Alpes à la Baltique, très uniforme dans les premiers temps. Issue elle-même des Balkans, cette culture se régionalise peu à peu au fur et à mesure de sa progression pour se dissoudre dans le premier quart du 5e millénaire. En France, par exemple, on trouve ensuite dans le quart nord-ouest du bassin parisien la culture du Michelsberg, qui recouvre aussi une partie de l'Allemagne du Sud, tandis que dans le reste de l'actuel territoire français s'étendent diverses variantes de la culture dite du Chasséen,
attestés sous des formes proches en Suisse ou en Italie du Nord, et en partie issus du courant méditerranéen de colonisation néolithique. D'origine donc différente, Michelsberg et Chasséen ont néanmoins un certain nombre de traits culturels en commun, comme la construction de grandes enceintes de terre et de bois, ou bien la forte diminution du nombre de figurines féminines en argile. Puis, dans le sud de la France, vers le milieu du 4e millénaire, le Chasséen fait place à de multiples groupes locaux, tandis que dans la moitié nord, on retrouve des styles totalement différents, dits de Seine-et-Marne, etc. Et il conclut ce petit passage. Vous avez vu ce que c'est le bordel. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que les hommes ils fassent toujours la même chose de la même façon, etc., en fait, ça change tout le temps. En résumé, d'un point de vue archéologique, les cultures néolithiques se succèdent sans stricte continuité, sans que les aires de culture données à un moment du temps se recoupent avec celles de la période suivante. Les éléments culturels sont réarrangés constamment et l'on ne saurait suivre au fil des millénaires une entité donnée et délimitée qui se contenterait d'évoluer insensiblement et régulièrement, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il donne d'autres exemples. Comment ça se passe? Il n'y a pas un peuple qui progresse, dont on retrouve les traces à un moment, à un autre, etc. Il y a des fractionnements avec, oui, des identités locales, régionales et des fois plus grandes, mais qui constamment se recassent en mille morceaux qui ne sont pas sur les mêmes aires géographiques que les autres et qui ne sont pas, qui ne ressemblent pas à celles qui avaient avant. Et donc, au lieu d'avoir quelque chose de stable et cohérent, et c'est pour ça que c'est difficile à expliquer. Oui, j'ai voulu vous lire le texte pour vous montrer que ça bifurque, ça se coupe en morceaux et ça va à d'autres endroits et puis c'est pas la même chose. C'est que en fait, cette conception essentialiste, elle néglige la complexité des faits qui n'ont jamais cette cohérence que leur donnent tous les gens dont je vous ai parlé, qui n'ont jamais cette continuité dont je vous ai parlé et qui... dans le fond, ont l'air d'être constamment à la merci, c'est-à-dire vont changer, parce qu'il y aura eu une influence, parce qu'il y aura eu une guerre, parce qu'il y aura eu à un moment une séparation ou au contraire des choses comme les Huns. Les Huns, par exemple, ce n'est pas un peuple. Les Huns, c'est des tas de groupements qui, à un moment, se sont mis ensemble pour... se battre et, les uns contre les autres. Il y avait des fois les mêmes qui étaient des deux côtés, par exemple des Germains des deux côtés. Ça, c'est quelque chose que Jean-Paul Demoule montre bien dans son livre et qui est quelque chose de nos jours. Il y a beaucoup de travaux sur ces sujets qui vont dans le même sens, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé sur les Phéniciens, sur les Celtes, sur les Gaulois, et qui montrent chaque fois le genre de choses que je vous ai raconté comme ça en résumé raccourci, et qui toutes montrent que là où on mettait cette grande projection imaginaire, essentialiste, etc., d'un peuple qui se déploie, etc., en fait, on a des recompositions constantes, des fractionnements constants, des identités qui se transforment, des inventions. À certains moments, on invente des choses qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'il y avait avant. Aussi bien au niveau du langage qu'au niveau des cultures, etc. Et qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé
sans rentrer dans cette complexité. Et cette complicité, elle détruit complètement cette image du peuple indo-européen, mais ça peut être aussi les Celtes, ça peut être aussi les Gaulois, etc. Et là, pour ceux qui seraient intéressés, il y a plein d'ouvrages d'histoire, par exemple, très très intéressants sur ces sujets et qui, dans le fond, cassent quelque chose qu'on aurait cru casser après l'occupation, puisque ça provient de l'époque des grands nationalismes où on mettait en face des peuples, des races, etc. Et qui pourtant s'est continué jusqu'à aujourd'hui. Lisez par exemple, je dois avoir son nom, cette dame qui a écrit le livre sur les Phéniciens, ça vient d'être traduit, elle s'appelle Joséphine Cramley Quinn, à la recherche des Phéniciens. Quinn, comme c'était quoi, les feuilletons, le docteur Quinn dans notre enfance. Quinn, Q-U-I-2-N. Eh bien, vous verrez qu'elle fait ce travail critique. Elle montre aussi, on a parlé des Phéniciens, ça avait l'air, c'était évident, c'était un peuple. C'était. Et puis, quand on revient aux textes à partir desquels on a parlé des Phéniciens, on se rend compte que les Phéniciens, c'était un terme que les Grecs employaient pour parler d'eux, mais qu'en fait, il n'y avait pas un peuple. Il y avait des tas de tribus locales, etc., qui étaient éventuellement totalement opposées les unes aux autres, qui n'avaient pas nécessairement la même identité, qui n'ont pas eu le même parcours historique, etc. Et ça fait voler en éclats, finalement, tout un vocabulaire qui a été utilisé comme allant de soi, y compris des grands historiens, parce qu'ils sont restés dans cette conception identitaire qui est justement celle que critique Jean-Paul de Mauve. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer aussi clairement que possible ce débat qui est très actuel.